Rencontre avec Teda Mara Fernandez, artiste spécialisée dans la création de tableaux en tissu. Cette dame, originaire du Brésil, nous fait part de son amitié pour la France, de son coup de cœur pour l'île de la Réunion et de son impatience de retrouver son pays natal. Elle se confie à nous. Moi, je viens du Brésil. Ça fait 15 ans que je n'habite plus au Brésil. J'habitais en métropole et ça fait 6 mois qu'on est à la Réunion. Je travaille dans des ateliers de création. Donc, j'ai fait des tableaux en tissu, des marionnettes, des vêtements. Et on sent des tableaux en tissu. C'est comme si j'ai fait la peinture avec des tissus. Les tableaux, ils sont sous la nature. Je travaille ici avec la nature. Donc, ce sont des montagnes, des animaux, des arbres, des fleurs. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants dans des ateliers de création. Depuis toute petite, j'adore le tissu. J'ai commencé à 3 ans en découpant une chemise de mon père. J'ai fait beaucoup de trous dans sa chemise. Tout type de tissu, mais pas synthétique. Chiton. Chiton, c'est un tissu pas cher, c'est un tissu très coloré. On n'explique pas, hein. c'est une passion, c'est arrivé comme ça. J'ai adoré. J'ai quitté le Brésil pour aller habiter en France, à la naissance de ma petite fille. Donc on était allé habiter à Rennes. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de manteaux, de vestes. On a fait des ateliers dans des maisons de retraite, dans des maisons du quartier. Avec le tissu que j'ai trouvé en métropole. J'ai ramené aussi du tissu du Brésil, mais c'était plutôt du tissu que j'ai trouvé. J'ai jeté une fois du tissu à côté de chez moi. Je rentre, je regarde le tissu. L'imprimerie, ça venait du Brésil. Dans mon petit appartement, j'avais un petit atelier. Au Brésil, j'ai travaillé pour beaucoup d'artistes. J'ai fait des tableaux qui étaient vendus pour chaînes télé, pour des séries. J'ai travaillé pas avec les artistes, mais je faisais ma production. Je vendais à théâtre, pour des chanteurs, pour des comédiens. Donc j'ai travaillé, j'ai vendu des choses pour Tom Jobim, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gilberto Gil. Des tableaux pour Francis Heim, Oliver Heim. Et au Métropole, donc, j'ai travaillé les tissus, c'était des expos. J'ai été invité par la Maison internationale de Rennes pour représenter le Brésil, aux 500 ans du Brésil. Avec le tissu, c'était plutôt des ateliers avec des personnes âgées et aussi des groupes de théâtre pour faire des costumes, pour faire des décors. Oui, je retourne au Brésil et aussi à Rennes. Oui, j'ai beaucoup d'attaches. J'ai des amis, c'est un coin que j'aime bien, la Bretagne. Ça, j'aimerais bien montrer. Faire un travail, peut-être un atelier de création avec des enfants. Ça ressemble beaucoup à le paysage du Brésil aussi. Ah, je travaille toujours mon imaginaire. Je vois des choses, mais c'est après, c'est le tissu qui va me dire qu'est-ce que je vais faire. Je regarde le tissu, c'est à partir du tissu qui... Non, parfois je mets trop mon présence humaine, je mets le noir. Des figures de femmes de couleur. Il y a des danseuses qui sont noires. Contempler la nature.